Et oui, une première, mais un superbe contre. Et Justine Hénin Ardenne. Parfait, parfait enchaînement. Allez, des cours qui est différente. Mmh. 23 tournois. Ah oui, super. Intéressant, intéressant. Oui. L'Italienne remporte sa mise en jeu. Ah oui, quel point, quel point. Ah oui, quelle puissance dégagée côté revers. Rageur, Escavoli obtient trois nouvelles balles. Oui. Oh, évidemment, la réussite pour l'Italienne. Elle se trouve en danger sur cette demi-volée qui rebondit assez haut. Derrière, pas mal de réussite pour cette volée amortie. Ah oui, magnifique. C'est elle qui a cassé le rythme, ouais, Francesca. Le service de son adversaire. Mais paradoxalement ou pas d'ailleurs, ça a libéré Schiavone. Certes, 54% de première, ce qui n'est pas catastrophique. Mais pas assez de réussite. Trop de double faute également. Oui, parfaitement anticipé. Eh oui, Schiavone qui a répondu vraiment du tac au tac. Avec splendide. Quelle défense!
Et oui, c'est encore Justine Hénin qui craque dans l'échange. Quelle défense. Point. La balle est bonne et balle de break pour Justine Hénin. Le génie des grandes joueuses. Regardez cette angle et la réussite, la balle. Et bien voilà, la première manche est pour Francesca Schiavone et surprise à Sydney. Mais c'est tout à fait mérité parce que Schiavone s'est vraiment bien battu. Ce début de troisième set. Et Schiavone qui mène 1-0. Et voilà, deux grands coups parallèles, le coup droit d'abord, le revers ensuite. Ce très beau revers, 40-0, 3 balles dégagées. Justine qui joue mieux, qui joue beaucoup mieux depuis la fin du deuxième. Elle aura quand même eu quelques difficultés à remporter des jeux blancs, puisqu'elle aura mené. Et voilà un des plus longs échanges de la partie. Et celui-là reste dans la bande du filet malheureusement. Et voilà, en trois fois, mais ça paye le point serré, le point levé. Aïe aïe aïe, un point qui dure, un point important, et maintenant c'est une balle. Parfait, parfait, ouais. Comme approche, elle a été le chercher celui-là. Parfait, parfait de la part de Justine et la voilà qui revient.
Mais il est beau. Ah, il est superbe. Il est superbe ce passing. Je crois qu'elle en a raté qu'un. Hein. Ah, elle est pas contente. Hein. Elle semble quand même dehors. Hein. En tout cas, à l'écran dit. Eh bien, nous voilà revenus dans le scénario pour une égalité qui suit. Sachant que certainement l'italienne, elle pense inversement. Et pourtant, elle a failli l'avoir, elle était en jambes. Elle est bien déposée. Une favorite dans ce troisième set. Service gagnant. Oh, qu'elle est bien touchée. La contre-amortie est superbe. Regardez, l'amortie du bout de la raquette. Il faut bien la toucher. Il ne faut pas être trop longue. C'est superbe. Ah, une belle réponse momentanée aussi par Urban. Oui, tout à fait. C'est parfait. 0-30. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau ce coup droit. 30 partout. Du poignet. Il est en effet merveilleux. Parce que la balle semblait assez basse. Pas évidente à négocier. Bien placé. Deux balles d'égalisation à 5 par. Comme c'est sur le service de l'italienne, on dirait 15-30. Et celui-là, elle ne le rate pas. 15-40 avec un pourcentage de réussite. Oh, elle est dedans. Elle est dedans et elle réalise le break. 6-5. Oh là là, elle la incroyable. Ramène. Incroyable. C'est fantastique. Tournoi. Quelle course sur le circuit WTA. Oui. Oh là là, la voilà, c'est 45, bien. Deux balles de match. Deux. Vendredi 13, il faut un peu de chance. Et le place super bien là, ce passing de coup droit. Si on... Et voilà, c'est fait. Justine Henarden remporte le tournoi de Sydney pour la deuxième fois de sa carrière. Après la victoire en 2004, elle s'impose en 2006. Première victoire de l'année pour Justine. Et ça, c'est de bon augure. Regardez les chiffres. Un match serré. Les deux joueuses qui s'embrassent. Les deux joueuses qui sont heureuses. Oui, c'est fabuleux pour elle quand même de s'en sortir. Et c'est un terrible retour pour elle dans cette saison, dans ce début de saison. Elle qui voulait tellement rejouer, elle l'a fait brillamment ici.